Eh oui, 20 ans après, ça fait drôle. Ça me rappelle de bons souvenirs. Il est mauvais aussi avec les garçons qui n'arrêtaient pas de nous provoquer. Heureusement, il n'avait pas toujours le dernier mot. Allons-y. Non, surtout n'y allez pas. N'entrez pas ici. Les derniers qui sont venus, on les a jamais revus. Ils ont disparu et vous aussi, vous allez disparaître. Monsieur, nous avons l'autorisation pour faire visiter. M'en fous, m'en fous. C'est là de me rassurer. Vous l'aurez mérité. Adieu. Tu as toujours ces trouillards, ces filles, alors. En tant que paysagiste, qu'est-ce que tu me proposes ici? Faire un grand jardin avec des bassins et une fontaine. Vous vous souvenez de l'aquarium? Oui, c'était là où il y avait la vie scolaire. L'hiver, ils avaient trop froid et l'été, trop chaud. Je me souviens. Là, il y avait les surveillants. D'ici, ils avaient une vue sur toute la cour. Alors toi, tu t'occupes de l'extérieur. Tu me calcules combien ça va me coûter pendant que nous, on s'occupe de l'intérieur. Pour mettre tout ça aux normes, cela va coûter plus cher qu'au départ. Les garçons étaient trop bêtes au collège. Elles sont trop peureuses, tu crois qu'elles en sont capables? Je ne pense pas. Elles ne vont pas désobéir à leurs parents. Rappelle-toi la dernière fois. Ah oui, elles s'étaient dégonflées. Je crois que vous êtes même pas capable. Ils disent qu'on n'est pas capable de passer le week-end au collège. Que les gardiens n'est pas là. C'est son fils qui leur a dit. Vous êtes cap? Moi ça me va. Ouais. Porte-la la réponse. Hé les filles, si on allait à la cantine pour manger, profitons-en pour une fois qu'il n'y a personne. La ministre Juliana Rossi s'est donné la mort hier soir dans sa propriété de Tokyo. Bon, vous partez pas là, par là, nous on va là-bas. Ok. Il y a peut-être des assiettes ici. Ah, peut-être. Fais là, toi. Je t'avais prévenu, viens ici. Adieu. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Vous n'avez pas le droit d'être ici. On t'avait prévenu de pas entrer. Merci d'être là. Dégage. Je vous ferai partir. Non, ne me touchez pas. Si tu ne relances pas. J'aurais tenté de mettre un bon élève au collège. Pardon, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Madame, j'ai oublié mon classeur dans le casier. Je peux aller le chercher, s'il vous plaît? Oui, mais ne perds pas trop de temps. Merci, madame. Il faudrait que l'on soit moins dans les classes. Il y aurait moins de chahuts. Bon, qui veut me présenter l'exposé sur Franck Guéry? Kelly et Clarisse. Franck Guéry est un architecte connu dans le monde entier. Il est né à Toronto et le 28 février en 1929. Sa première œuvre connue est Vitra. Elle a été créée en 1989 en Germanie. Voici le musée de Guggenheim à Bilbao, aussi mondialement connu, construit principalement de pierre, de titane et de verre. Maintenant, voilà le bâtiment Concert Disney Hall à Los Angeles.
Les formes spectaculaires à l'extérieur sont faites de métal de titane reliées par des murs de verre à l'intérieur. Très bien, allez, repasse. Vous allez maintenant répondre à quelques questions pour voir ce que vous avez retenu. Adrien, dis-nous dans quelle ville Frank Gehry a construit le Disney Concert Hall. Los Angeles, madame. En quelle année, Ojan? En 2005, madame, le 7 avril. Bien, et maintenant, Clément, peux-tu nous dire avec quel matériau? Les murs et les plafonds sont en bois massif fabriqué avec du sapin de Douglas. Bravo, passons maintenant au monument de Guggenheim. Qu'abrite-t-il? Où est-il situé? À toi de répondre, Arnaud. C'est un musée d'art moderne et d'art contemporain qui se trouve à Bilbao, en Espagne. On connaît-tu fait, Adrien? De pierre, de verre, d'eau et de titane, madame. Bien, et qui c'est ce qu'est ce titane et quel prix l'attend en 2011, Sacha? Le titane est fait d'un élément chimique de couleur bleu argenté. On le trouve dans nombreux minéraux. Et quel prix l'attend en 2011, Oja? Son prix a doublé, même triplé dans certains pays. Au marché noir, le kilo est de 8 à 10 dollars. Il a fallu que je me fasse renvoyer et que mon père me donne une belle raclée pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Comment tu gères ton retard? C'est ton regard. Ton Très bien, continue comme ça. 19,5? Ouais, mes parents vont être assez contents. Ils vont m'autoriser à aller danser pour l'anniversaire de Kevin. La première des choses à faire, c'est de faire virer les squatteurs. Laissez tomber, nous pensons plus boulot pour le moment. Et si nous faisions construire une boîte qu'on appellerait l'aquarium? Tu as raison, un endroit où tous les souvenirs ressurgiraient. Avec piste de danse intérieure et extérieure. Ok, c'est la fin.